Bonjour mesdames et messieurs du Geeken et bienvenue sur Geek News, édition spéciale Dark Vador. Bon bah nous avons avec nous sur le plateau Dark Vador, le voici, bonjour Dark. Bonjour. Alors Dark Vador, dites-nous, que faites-vous dans la vie depuis la destruction de l'étoile noire? Bah écoutez, récemment j'ai fait une pub pour McDo, j'ai tourné dans Soul Calibur 4, sinon quand je me fais chier, j'étouffe des pingouins ou des sbires impériaux. Maintenant, toi ta gueule. Toi, viens voir ici. Oui, patron. Je commence à en avoir vraiment marre que vous ne foutiez rien sur ce putain de vaisseau spatial. Bon, alors, on voit que on vous aperçoit dans la dernière vidéo de Geekend. Vidéo qui s'intitule Geekroom. Quel effet ça vous fait de réapparaître à l'écran? Est-ce qu'on pourrait parler de comeback? Bah écoutez, je suis content qu'on parle un peu de moi, parce que faut dire qu'en ce moment, à la télé, on fait plus que de la merde. Entre les loups-garous de Twilight qui font pitié comme c'est pas possible, et tous ces amateurs qui veulent absolument se faire une armure comme la mienne, Iron Man, Master Chief, Daft Punk, Buzz l'éclair... Et sinon, est-ce que vous entretenez des relations familiales? Bah, j'envoie mon fils Luke et ma fille Leia. J'ai initié Luke aux courses de modules. D'ailleurs, il est complètement nul à chier. Parfois, j'en prends le Faucon Millenium de mon beau-fils, Anne, pour aller faire mes courses à Carrefour. Mais putain, ce petit con, il voulait m'envoyer en maison de retraite. Mais de quoi je me mêle? C'est pas parce que je construis des étoiles de la mort miniature avec des canettes de coca que je suis un vieux fou. S'il continue, il va sentir le pouvoir du côté obscur. Nom d'une boîte de conserve toute noire. Oui, ok, bon, merci beaucoup pour votre intervention, monsieur Vador. Vous pouvez m'appeler Dark. Ouais, d'accord, ok, Darky. Bon, je vous laisse, j'ai un dîner sur Naboo avec des Gungans. Adieu, et que la force du côté obscur soit avec vous. Au fait, j'adore Geekend.